Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, numéro 5 de cette Indian Springfield. Alors, avant de commencer cette vidéo, on pense à s'abonner, à liker, partager et tout. Voilà, allez, on est parti. Donc, voici le détail de nos pièces. On continue cette roue avant, d'ailleurs, je pense qu'on va même la finir. Donc, le détail de nos pièces, notre pas à pas que voici. Allez, assez sympa. Ouais, on finit notre roue. On va pas la monter, mais on la finit. Et notre résultat final que voici avec des pièces à garder très précieusement. Allez, on est parti pour les pièces. Voici nos pièces, donc la deuxième partie de cette roue avant, donc la deuxième partie on va dire même de la jante pour celle-ci, puisque c'est la deuxième partie de jante, métal, j'avais oublié que c'était en métal, d'ailleurs, ouais, métal, les différentes parties qui vont venir sur cette jante, le disque, il me semble. Nous avons les différentes parties pour faire tourner cette roue. J'ai un trou de mémoire à ce moment-là. Les roulements, voilà. Les roulements. L'axe de cette roue qu'il va falloir garder précieusement. Et un sachet de vis, alors des vis CM et des vis AM. Voilà. Allez, on est parti pour le montage. Alors, étape 1, on vient récupérer cette partie de jante, le chrome qui va venir autour, donc... Sur l'arrière du chrome, nous avons tout un tas de petits picots. Ici, nous avons plusieurs trous. Et bien sûr, il s'agit tout simplement d'aligner ces picots sur ces trous. Et les l'emboîter. Voilà, franchement, ça se fait nickel. Voici ce que ça donne. Étape 2, alors on vient repérer, il y a, voici, à cet endroit là, ils avaient un emplacement pour la pièce 5E. Alors la pièce 5E, la voici. Donc nous avons un picot d'un côté, un œillet pour le passage de vis. Alors, hop, on va retourner. Il faut que le picot soit côté droit. Et on vient emboîter la pièce, comme ceci. Voilà. C'est tout à fait ça. Alors, étape 3, on vient récupérer notre roue, notre énorme roue. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? De faire attention. Donc, ils nous disent de bien faire attention aux flèches qu'il y a ici. Hop, on va mettre ça de côté. Alors, si je comprends bien, la flèche, je vois pas dans quel sens ça doit aller. La logique voudrait comme ceci. Alors après c'est peut-être uniquement un détail au niveau. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Si je suis le dessin. Ouais, c'est de l'autre côté. Je pense. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc,
je sais pas si je suis bien dans le bon sens. On va remettre notre pneu, notre jante sur le pneu. Bien enfoncé. Alors, ensuite, nous avons, ils nous disent de bien faire attention au capteur de pression. Ok. Donc, à l'opposé, ici, nous avons la deuxième moitié, on va dire, qui va venir ici. Donc, là, pour le coup, je vais le mettre de ce côté-là. Je vais bien rentrer. De toute façon, j'ai pas bien rentré là, de ce côté-là. Ça a l'air. Qui rentre plus d'un côté que de l'autre. C'est de l'autre côté. Ouais, de ce côté-là, il rentre bien. Voilà, bon. Alors, on va mettre ça comme ceci. Donc, on va prendre notre capteur de pression que nous avons ici. Il va se retrouver ici. Ce qui permet, à mon avis, l'emboîtement correct au niveau de ces deux moitiés de jante. Alors, il est où? Il est là. Donc, j'ai remis un peu de lumière parce que là, je ne voyais plus rien. J'ai toujours le même problème. J'arrive pas trop à faire rentrer le pneu d'un côté par rapport à l'autre. Je vais voir si avec les vis, ça change tout. Alors, hop, on va prendre nos vis AM. Voilà, donc, le problème c'est que j'ai toujours cet écart là, ici, au niveau de ma jante. Ah, il est pas, là il est bien rentré, sauf que ici j'ai quand même un jour. Pas normal. Bon, je verrai ça un petit peu plus tard. Donc, ça c'était notre étape 4. En étape 5, on vient récupérer cette pièce que nous avions laissée au numéro 3. Donc là, nous avons tout un tas de gros trous, on va dire, et un trou plus petit. Ici, on retrouve les trous et un picot qui va venir dans le trou plus petit. Voilà, nickel. Étape 6, on vient récupérer, pareil, cette pièce, la pièce donc 5C, et on va venir aligner. Alors, dans quel sens? Ça, par contre, le sens, c'est pas bien. Voilà, donc c'est comme ça. Donc la partie creusée à l'intérieur, je pense. On va regarder de l'autre côté. De l'autre côté, on n'a rien du tout. Alors, je pense que c'est comme ça. Donc il y a une partie creusée avec les détails bien en relief. Donc vers vous, le truc c'est qu'il faut venir aligner les trous correctement. Voilà, pour fixer ensuite. Alors justement, étape
Étape 7, on vient récupérer les vis CM de des vis argentées. J'aime bien ces vis, vis CM. Voilà qui est fait. Ça fait quand même un superbe rendu. Bon, ça, ça bouge un peu. Je pense que il faudrait que je serre un petit peu plus. Ouais, je pense que c'est un problème de serrage, mais je vais pas serrer ça à fond parce qu'il faut vraiment que je voie ce problème d'écartement là au niveau de la jante. Je sais pas si... Ah ouais, d'accord, ok. Je pense que ça doit venir de là. Alors, je vais enlever mon chrome et je vais vérifier ça, savoir si la jante par elle-même, elle est bien. Ah, la jante. Ah, même la jante ici, vous voyez, il y a, j'ai un petit jour quand même. J'ai un petit jour, donc je verrai ça après. Donc ça, le serrage final, je le ferai après. Étape 8, on va venir prendre la pièce 5F. Alors, il me semble que la pièce 5F, ça doit être celle-ci. Alors là, j'ai un petit souci, c'est que entre celle-ci et celle-ci, j'arrive pas à voir laquelle correspond à la 5F. Je serais tenté de dire que c'est celle-ci. Simple, on va essayer les deux. Il y en a une des deux qui, à mon avis, doit rentrer mieux que l'autre. Ouais, les deux, c'est à peu près pareil. Alors. Bon, je vais prendre celle qui est... Ouais, je vais prendre celle qui est en plastique. Je vais la rentrer à l'intérieur. C'est peut-être l'inverse. Je verrai ça après. Voilà. Donc, hop, on va garder ces pièces-là. Les vis. On va mettre ça de côté. Et hop, voilà. Donc voici notre résultat final pour ce numéro 5. Nous avons notre roue d'assemblée entièrement. J'ai quand même ce petit souci à voir ici. Je pense que je vais régler ça assez rapidement. Mais voici notre aspect. Franchement, nickel. Ah ouais, franchement, top. C'est vraiment, vraiment top. Voilà, donc, les deux pièces à garder précieusement de côté pour un petit peu plus tard. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao.